first thing to start. Pour commencer, Guru Buddha Shakyamuni, ce Guru Buddha Shakyamuni visita ce monde, ou descenda dans ce monde de Tushita. Descenda de la terre pure de Tushita et il descenda en ce monde et il démontra les douze actions du Bouddha dans ce monde, les douze actions d'un Bouddha dans ce monde. Donc il a montré le dharma de façon élaborée par les 84 000 enseignements du Bouddha. C'est ce qu'il enseigna. Il amena l'éveil d'innombrables êtres. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans d'autres univers. Donc c'est ce qui se passa. Donc des bénéfices infinis en fait. Il offra des bienfaits infinis aux êtres. Donc infinis comme l'espace. La vue générale, la perspective générale. Donc, en général, on dit qu'il a tourné la roue du Dharma. La seconde roue du Dharma, il a tourné. Donc, cela se réfère aux enseignements de la Prajnaparamita, à Raj Kriya, Yampakchen et à Yampakchen, le troisième, le dernier route des enseignements a été tourné. Le troisième roue du Dharma est au sujet des trois natures à Yampachen. Des trois natures, des trois caractéristiques. Et ensuite, il révéla. Il manifesta les déités en tant que Bouddha Vajradhara. Il manifesta Chakra Sambhara. Et il révéla les enseignements de Chakravarma Sambhara,
Et il révéla les enseignements de Yamantaka à Orkien. C'est un endroit qui se trouvait au Pakistan. Et aussi les enseignements de Kalachakra. Un endroit. Amaravati, Amaravati. Voilà. Mais il montra aussi l'impermanence. À nous, les êtres vivants. Il passa à l'état au-delà de la souffrance, à l'état sans souffrance. Alors vous voyez les écritures, les textes, les endroits sacrés. Vous voyez des ruines, par exemple à Rajgriha, ou à Nyeye, Shravasti, Shravasti. Donc, à ces endroits, c'est ce que l'on voit maintenant. On voit les ruines. Donc, moi-même, il n'y a pas de question en ce qui me concerne. Je peux mourir même aujourd'hui. Moi-même, je peux mourir même aujourd'hui. En fait, le mieux, c'est de décider que je vais mourir aujourd'hui. C'est même mieux. C'est le meilleur antidote au concept de la permanence. Et à l'attachement. Ça coupe l'attachement. Pour couper le concept de la permanence qui ne vous laisse pas pratiquer le dharma, qui ne permet pas à vos actions de devenir la cause de l'éveil, qui ne permet pas à vos actions de devenir la cause de la libération du samsara même pour vous-même, et qui ne permet pas à vos actions de devenir dharma, la cause de bonheur pour les vies futures, qui ne permet pas à vos actions de devenir dharma, qui rend vos actions seulement non vertueuses, négatives, et qui ne permet pas à vos actions de devenir dharma, qui est la cause du bonheur pour les vies futures. Le problème, c'est que notre esprit est toujours prend le côté du concept de permanence. Comme le gouvernement. Dans un gouvernement, dans un pays, il y a la droite et la gauche. Il y a deux partis. Donc, aux États-Unis, c'est les républicains et les démocrates. Les démocrates et républicains. Donc d'habitude, la façon dont nous vivons notre vie, nous prenons parti
pour le concept de la permanence. Et quand on vit la vie comme ça, avec le concept de la permanence, on a l'attachement. C'est l'attachement. Et l'attachement, donc ça devient un problème. Et donc notre esprit devient un gros problème. La vie est dure, la vie est difficile. Et donc et on a tellement de problèmes dans la vie. Quand on devient ami avec cette attitude, quand on vit la vie avec ce concept et cette attitude, tellement de problèmes surgissent dans la vie. Mais si votre vie, vous la vivez avec la pensée de l'impermanence, quand votre esprit vit dans le dharma avec la pensée de l'impermanence, c'est-à-dire que la pensée que même aujourd'hui, la mort peut surgir, et vous n'avez pas tous ces problèmes. Beaucoup de problèmes, tous les problèmes émotionnels, les problèmes d'attachement. Le problème d'attachement aux concerts mondains, aux occupations mondaines. Lorsqu'on est incapable de réaliser le confort, le bonheur, et quand on est dans l'inconfort, on souffre. On est malheureux et l'esprit devient déprimé. On devient déprimé. Et donc, on cherche pour avoir une bonne réputation. Lorsque la préoccupation mondaine d'être attaché au fait que les gens parlent bien de nous. Et lorsque c'est le contraire qui se produit, donc on devient déprimé, on souffre. Et pareillement, lorsque l'attachement, la préoccupation mondaine qui s'attache aux louanges, lorsqu'on veut entendre des louanges des autres et qu'on s'attache à cela. Et si cela ne se produit pas, l'esprit aussi se déprime. Et on est en crise. Et lorsqu'on s'attache aussi au fait de recevoir des choses matérielles. Et donc, à cause de cela, lorsqu'on ne reçoit pas, lorsqu'on ne gagne pas lorsqu'il n'y a pas de gain, lorsqu'on ne reçoit pas de cadeaux, ou par exemple pour notre anniversaire, personne ne nous offre rien. Et quand on ne reçoit rien, on dit à tout le monde, on fait de la publicité pour notre anniversaire, d'abord, pour commencer. Pour commencer, on dit à tout le monde, on fait la publicité. Et puis, en plus de ça, on ne reçoit aucun cadeau. On est déçu. Et on est déprimé, et on est malheureux. Donc, on a un problème lorsque l'esprit saisit, parce que l'esprit saisit s'attache au confort, au plaisir, à la réputation, aux louanges, aussi aux cadeaux, aux gains matériels. Donc, comme Nagarjuna l'expliqua, il faut égaliser ses pensées. Il faut égaliser
Parce que on s'attache, on saisit ces quatre choses, ces quatre objets de désir, d'attachement. On s'attache. Parce qu'à cause de cet attachement, on est déçu lorsque ces choses n'arrivent pas et lorsque c'est l'opposé qui se produit. Et donc, on est malheureux. Et donc, le problème, c'est qu'on s'attache et qu'on saisit à ces quatre choses. C'est le problème racine principale. On s'attache à ces quatre objets. C'est ça le problème. Cela même est le problème. Parce que dans cette situation, si on regarde à notre esprit, l'esprit n'est pas paisible, il est perturbé. L'effet de ses pensées, de ses émotions, de ses pensées émotionnelles, de ses émotions, c'est que elles perturbent votre continuum mental. Le continuum de votre esprit. Donc, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, de tranquillité, de repos, de paix intérieure à ce moment-là. Et ça perturbe votre esprit et c'est un grand problème dans votre vie. Si vous ne saisissez pas, si vous n'avez pas d'attachement à ces quatre choses, si vous n'avez pas d'attachement, lorsque le contraire se produit, donc vous n'êtes pas déçu et vous ne déprimez pas. Donc ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut égaliser. Équilibrer, en fait, égaliser les situations. S'il n'y a pas de préoccupation mondaine qui saisit à ces choses, donc on ne devient pas déprimé et déçu lorsque ça ne passe pas. S'il y a une mauvaise réputation, s'il y a des critiques, si on est inconfortable, si on ne reçoit pas de bien, si dans ces situations, l'esprit n'est pas déçu, l'esprit n'est pas perturbé. Mais il y a la paix, il y a la paix intérieure. Et alors, vraiment, vraiment, vous avez la paix intérieure réelle. Vous avez le bonheur du Dharma, ou le bonheur spirituel. Asanga expliqua ce qu'est le bonheur du Dharma, ou le bonheur spirituel, on pourrait dire. Il expliqua, et il y a dans les enseignements des Kadampa, de Lama Kadampa, il y a une comparaison entre le plaisir du samsara et le bonheur du dharma. Il y a 8 ou 9 points. Comment les plaisirs du samsara sont si petits et comment le bonheur du dharma recouvre tout ça, dépasse tout ça. Lorsqu'on compare, c'est incroyable. Évidemment, de toute façon, les plaisirs du samsara sont de la nature de la souffrance. Donc vous voyez, lorsque notre esprit vit dans le dharma, donc, avec la pensée de l'impermanence, donc vous voyez, tous ces problèmes, ceux dont les gens souffrent dans le monde. Il faut aller voir le psychologue. Toutes ces choses que font les gens.
Donc, il faut aller parler avec des gens de nos problèmes. Et donc, ça devient très cher. La vie devient chère. On a beaucoup de dépenses. Donc, lorsqu'on est ami avec l'attachement, avec le concept de la permanence, quelque chose qui en fait n'est pas vrai. Et si on vit la vie avec cela, et donc tout ce la vie est pleine de problèmes. Il faut vivre avec tout ce fardeau de problèmes. C'est comme les films à la télé. C'est exactement comme ça. La vie devient exactement comme ça. Un problème après l'autre. C'est comme la toile d'une araignée. Vous savez, l'araignée, elle fait sa toile. L'araignée fait une grande toile. Et donc, lui ou elle se cache dans un coin et elle tisse cette toile qui va attraper les insectes juste pour son ou sa propre bonheur. Donc, ça, c'est un type de vie. Ce n'est rien de nouveau. On a eu ce genre de vie depuis des temps sans commencement. On pense que c'est la première fois qu'on a ce genre de problème. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qu'on a eu depuis un nombre de renaissances sans fin, en fait, sans commencement. Sans élaborer trop, sans en dire trop, en fait, c'est comme ça. Lorsqu'on vit avec le dharma, dans le dharma, avec la pensée de l'impermanence, penser dans la vie à l'impermanence et à la mort, alors on est libre. Vous donnez la liberté à vous-même, vous vous rendez libre de tous ces problèmes, de ces concepts de permanence, de l'attachement. Ça veut dire aussi de la colère. Parce que lorsque vous vous libérez de l'attachement, vous libérez de la colère. Parce que à cause de l'attachement naît la colère. Aussi la jalousie. Toutes ces maladies de l'esprit. Ces maladies mentales. C'est des maladies chroniques de l'esprit. Donc, vous vous libérez de tout cela. Si vous ne suivez pas cette pensée, votre esprit devient le dharma. Donc, en suivant la pensée de l'impermanence et de la mort. Donc, c'est l'ouverture, vous ouvrez la porte de la paix. Et c'est incroyable. Et à partir de là, l'esprit est en bonne santé. Vous avez une grande paix mentale et la santé du corps suit aussi. C'est comme ça que ça marche. À partir de l'esprit du dharma, votre esprit dans le dharma, vous rendez votre vie physique
votre corps aussi en bonne santé. Et donc, vous épargnez beaucoup d'argent, en fait. Ça devient de l'épargne. Ça devient de l'épargne. Incroyable. Parce que vous... à partir de l'esprit qui est dans le dharma, en fait, vous faites des économies. En vivant avec la vie, avec la pensée de l'impermanence et de la mort, ça coupe immédiatement toutes les activités qui ne sont pas nécessaires. Toute la vie qui n'est pas nécessaire. Toutes ces choses dont on n'a pas vraiment besoin disparaissent et sont coupées. Et donc l'argent aussi, tout l'argent qui vous reste, en fait, vous pouvez l'utiliser à quelque chose qui a du sens pour faire des choses bénéfiques pour soi-même, pour vous-même et bénéfiques aux autres. Toutes les dépenses, les dépenses incroyables que vous faites pour nourrir l'attachement pour cette vie, des dépenses incroyables, des milliers, des millions, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards, etc., etc., qui sont des dépenses, en fait, pour cet esprit émotionnel qui est l'attachement au concept erroné, qui est de la nature de la pensée perturbée, et qui, tout ça est dépensé juste pour ça. Une quantité d'argent incroyable, en fait, qui est dépensée juste pour ça. Et donc, aussi, évidemment, pour la pensée du chérissement de soi, la pensée qui accorde toute l'importance à soi. Donc, c'est incroyable, des dépenses incroyables, juste pour ça, mais pour être bénéfique à autrui, pour le bienfait d'autrui. Pour le bienfait d'autrui, pour être bénéfique à autrui, de façon sincère, du corps, de notre cœur, mais pour le bonheur aussi, pour aussi votre éveil, ou votre libération, ou votre bonheur des vies futures, alors très peu, vous dépensez très peu. C'est juste pour élaborer un peu, pour rendre les choses claires, hein, pour vous donner une idée. De toute façon, non, ceci est juste une introduction au sujet de la vie, pour voir comment nous vivons notre vie. C'est comme si on utilise des télescopes pour voir au loin les choses que l'on ne peut pas voir. Ou alors les microscopes que l'on utilise pour voir les atomes ou les êtres très petits que l'on ne peut pas voir avec les yeux. Donc, de la même façon, ici, à travers le dharma, on regarde à notre propre vie. On regarde à sa propre vie. Et on va au-delà. À travers la sagesse du dharma, on regarde et on voit à sa propre vie. Ce qui est correct et ce qui est erroné, ce qui est utile et ce qui est inutile, ce qui a du sens, ce qui n'a pas de sens, ce qui doit être abandonné et ce qui doit être pratiqué. Comme ça. Ce qui apporte le bonheur, ce qui apporte la souffrance. Pour voir cela.
c'est tout à voir avec l'esprit. Et ça dépend de l'attitude. Tout à voir avec cela, avec l'attitude, avec la façon de penser. Si l'on vit avec l'esprit qui est du côté du concept de la permanence ou qui est du côté de l'impermanence, ça fait une telle différence immense, comme la différence entre le ciel et la terre. C'est incroyable, c'est étonnant, ça met une différence énorme. De cette façon, on n'a pas tous ces problèmes. Tous ces centaines, milliers, des centaines de milliers de problèmes. Soudainement, ils ne sont plus là. Donc maintenant, ensuite, les deux disciples sublimes du Bouddha, Shariputra et Moggallāputra, et aussi les pandites et de nombreux grands yogis, écrivirent de nombreux textes. Ils amenèrent des bienfaits incroyables aux êtres et aux enseignements du Bouddha. Et donc, ce qu'ils enseignent dans ce monde est incroyable. Et donc maintenant, on n'entend plus que leur nom. On peut entendre leur nom et on peut voir les textes qu'ils ont écrits. Et peut-être on peut voir les caves, les endroits où ils ont médité, où ils ont atteint des réalisations. Et donc, moi-même, sans aucun doute, je peux mourir, même aujourd'hui. Et aussi, y compris lama Tsongkhapa, de nombreux grands lamas qui sont venus au Tibet, qui étaient au Tibet. Les érudits Sakya, les grands lamas Sakya, les cinq grands lamas Tsongkhapa qui sont venus au Tibet. Et dans chaque tradition aussi, Rabjan Lonchenpa, Padmasambhava, Milarepa, Marpa, Milarepa, etc. Et donc qui existaient au Tibet et qui ont pratiqué, atteint les réalisations et qui ont travaillé pour le bienfait des êtres. On peut voir les endroits où ils ont pratiqué, par exemple la Matsongkhapa, la cave de Milarepa, les caves de Milarepa, etc. Donc tous ils sont partis, tous ils ont disparu. Donc moi-même, je peux aussi mourir. Même aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui. Et ensuite, les amis vertueux. Lama Yeshe, dont la bonté est plus grande que les Bouddhas du passé, du présent et du futur.
Donc nous avons reçu des enseignements et il fit des choses incroyables. Comme le soleil qui brille, comme le soleil rayonnant, il a offert des bienfaits à ce monde et aux êtres. Également un grand plaisir. Un plaisir, une distraction, disons, c'est comme des loisirs très très bénéfiques, une joie incroyable. Mais maintenant, cela n'existe plus, cet aspect-là. Cet aspect-là, il n'existe plus. Et ainsi de suite. Kepjeribu Rinpoche, dont nous avons reçu des enseignements et des initiations. Et Serkon Senchav Rinpoche, il y a longtemps, tous ceux qui ont eu la grande chance de recevoir des enseignements aussi de Kyabje Song Rinpoche, les grands érudits et yogis qui avaient des grandes réalisations, un être éveillé, Song Rinpoche. Et beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous l'ont rencontré. Et mais maintenant, nous ne les voyons plus. Nous ne pouvons plus les rencontrer. De nombreux êtres amis spirituels comme ça, avec qui nous avons fait une connexion par le Dharma, mais maintenant, ils ne sont plus là. Donc moi-même, de la même façon, je peux partir, je peux mourir, même aujourd'hui. Moi-même, je ne suis rien. Je peux mourir tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux prendre cet aspect, même aujourd'hui, de ne plus être là. Donc à chaque fois, on coupe l'attachement de cette façon. Ensuite, notre famille. On peut penser à notre famille. Les membres de notre famille qui sont partis, qui sont morts. Nous pouvons penser à eux. Notre père ou notre mère qui sont décédés. Et aussi tous nos amis qui sont décédés. Les gens que vous connaissiez. Donc vous pensez de cette façon. Et maintenant, ensuite, moi-même, je peux mourir à n'importe quand. Je peux mourir même aujourd'hui. Donc, c'est bien de penser comme ça. Ha ha ha!
Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont le même âge que vous, qui sont nés le même jour. Et beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Et donc, moi-même, je peux aussi mourir aujourd'hui. Cela peut arriver que je meure aujourd'hui. Alors, vous voyez, quand vous pensez que la mort peut arriver aujourd'hui, l'esprit est préparé. L'esprit est prêt. Si il se passe quelque chose tout d'un coup, vous ne serez pas sous le choc parce que l'esprit est déjà prêt. Et vous avez déjà fait ce plan. Vous avez déjà planifié, en fait, de mourir. Vous avez prévu de mourir. Donc, ça n'est pas un choc si la mort arrive tout d'un coup. Chaque matin, vous y avez pensé déjà. Donc, l'esprit est prêt, vous êtes prêt. Au début de la journée, vous avez pensé très fort et aussi pendant la journée. Et donc c'est pas un grand choc. Donc, ça aide à garder l'esprit paisible. Donc, ça vous aide à ne pas avoir peur. Vous pouvez découvrir. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine paix lorsque vous faites face à certains problèmes, par exemple, qui menacent votre vie, l'esprit est beaucoup plus paisible. Ça n'est pas un grand choc. Mais si votre esprit n'est pas entraîné à la pensée de l'impermanence, donc l'esprit n'est pas devenu avec le dharma. Donc l'esprit n'a pas été transformé par la pensée de l'impermanence. Donc si vous vivez votre vie avec le concept de la permanence, qui n'est une pensée qui n'est pas dans le dharma, le concept de la permanence, à ce moment-là, votre projet chaque matin, c'est de vivre pour longtemps. Et donc, c'est toujours comme ça. Chaque jour, je vais vivre pendant longtemps. Et donc, toutes vos activités, toutes vos actions sont faites dans ce but. Dans ce but de vivre longtemps. Et donc, elles sont faites avec l'attachement pour cette vie. Et donc, soudainement, lorsque la réalité de la vie, l'impermanence se manifeste, et alors soudainement, donc tout d'un coup, pendant que vous avez planifié, vous avez prévu des millions de choses, pour votre vie, votre façon de vivre. Et soudainement, tout d'un coup, quelque chose se passe. Et alors, c'est un choc incroyable.
Même si vous savez, vous connaissez le bouddhisme, vous avez mémorisé des centaines de volumes des enseignements du Bouddha, le Kangyo et le Tengyo, vous l'avez mémorisé, vous pouvez l'expliquer, vous pouvez la réciter, mais votre esprit, vous n'avez pas pensé à l'impermanence. Même si vous avez mémorisé les textes racines des cinq grands traités et des tantras, même si vous les connaissez par cœur, vous pouvez les expliquer, mais vous n'avez pas pensé à l'impermanence. Et votre vie, vous la vivez toujours avec le concept de la permanence. Le jour où quelque chose arrive, alors il y a une peur incroyable et vous êtes sous le choc. C'est un choc parce que la réalité de la vie se montre, apparaît en fait. La réalité surgit et vous ne voulez pas mourir. Je ne parle pas ici de ne pas vouloir mourir parce que vous voulez être bénéfique à autrui. Non, ici, vous ne voulez pas mourir parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce qui va se passer à cause de la peur. Donc, vous ne voulez pas perdre ce corps. Vous ne voulez pas perdre vos possessions, votre famille. Et donc, il y a tellement d'attachements. Vous vous accrochez aux choses. Et donc, à cause de cela, il y a une grande peur. Ça, c'est vraiment le début du dharma. La pensée, la méditation sur l'impermanence, c'est le début, c'est la porte d'entrée du dharma. Donc, c'est le tout début. Mais si vous l'oubliez, si vous oubliez cette méditation, si vous ne pensez pas que c'est, vous pensez pas que c'est important, oh, bien sûr, la vacuité, shunyata, c'est plus important. Ou les méditations du tantra sont plus importantes. Quelque chose d'autre. Mais toutefois, ici, bien sûr, si vous avez la réalisation de l'impermanence, oui, bien sûr, oui. Oui. Si vous avez la réalisation, bien sûr, vous pouvez voir les choses comme étant illusoires, comme étant un rêve. Vous voyez vous-même comme étant un rêve, vos actions comme étant un rêve, comme un rêve, vos possessions, vos biens, votre famille, les gens qui vous entourent sont comme un rêve, comme une illusion. Comme une personne, vous êtes comme une personne qui reconnaît, alors qu'elle rêve, reconnaît le rêve comme étant un rêve. C'est vraiment différent que lorsque vous reconnaissez le rêve comme étant un rêve et lorsque vous croyez que le rêve est vrai. Donc c'est une grande différence, n'est-ce pas? Alors que vous rêvez. De savoir que c'est un rêve ou croire que c'est la réalité. Donc la personne qui reconnaît que ce qui est rêve est un rêve, ce qui est un rêve est rêve. La personne qui reconnaît cela, quoi qu'il se passe, ce n'est pas vrai, donc ça ne dérange pas vraiment. Ça ne dérange pas la personne. Si un rêve dans le rêve, si quelqu'un vous fait vos louanges ou parle de vous de façon très bien,
Comme ce n'est pas vrai, il n'y a pas de raison de s'attacher. Et si quelqu'un vous critique et vous met plus bas que terre, ben, ce n'est pas vrai. Donc, ça ne vous dérange pas non plus. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous énerve pas, n'est-ce pas? Donc, comme ça, comme un rêve, comme une illusion, comme un reflet. La personne qui croit, par exemple, lorsque vous regardez un film, les gens qui croient que ce sont des véritables personnes qui sont tuées. Donc il y a des personnes réelles. Ou alors si c'est quelque chose. Donc si c'est une guerre, par exemple, ou alors un accident de voiture, si vous croyez que ça se passe. Mais par contre, si vous croyez que c'est juste comme une réflexion, c'est juste une image. Donc, si un accident de voiture ou si des maisons qui s'écroulent, si vous croyez que c'est vrai, donc ça vous fait très peur. Ça vous agite beaucoup. Mais si vous pensez que c'est juste une image, c'est juste un film ou juste une image, mais c'est différent, n'est-ce pas? Donc, c'est un exemple. Donc, les gens ont vraiment très peur quand ils croient que c'est vrai. Donc, c'est un exemple. Donc, le reflet d'un visage, si l'on croit que c'est un vrai visage et non pas un reflet, par exemple. Donc, la différence est énorme. Lorsqu'on ne sait pas que c'est un reflet, et si on sait que c'est un reflet, donc il y a une grande différence. Donc, de toute façon, même si c'est les premiers pas, le début de la méditation, le sentier graduel des êtres de capacité inférieure, le lamrim, la méditation sur l'impermanence, donc fait partie de ce niveau dans le lamrim des êtres de capacité inférieure. Mais c'est tellement important. Les Lama Kadampa, les Geshe Kadampa disaient même si vous avez une centaine de qualités, mais à cause d'une erreur, à cause d'une seule erreur, centaines de qualités, ça veut dire de nombreuses qualités. Nombreuses. C'est comme quand on dit les saints, les 100 déités de la terre de la joie, le Gandhalagama. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 100. C'est une expression qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc ici, c'est pareil. Même si vous avez 100 qualités, c'est-à-dire de nombreuses qualités, mais vous êtes sous l'effet d'une erreur, il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de réalisation et vous êtes coincé. Ce que ça veut dire,
c'est que vous, vous avez une grande éducation, vous connaissez, vous savez beaucoup de choses, vous connaissez tout. Mais il y a une erreur. Une erreur. Vous savez tellement de choses. Votre esprit est plein. Mais pourquoi vous n'avez pas de réalisation? Pourquoi pas de réalisation sur le sentier de l'élimination, de l'éveil? Pourquoi vos actions quotidiennes de manger, de dormir, de marcher et de faire votre travail? Évidemment, aussi la méditation et l'étude du dharma. Toutes ces activités quotidiennes, pourquoi elles ne deviennent pas le dharma? Pourquoi elles ne sont pas spirituelles? Pourquoi elles ne sont pas dharma? Même si vous avez tellement d'éducation, des milliers, des millions de choses vous connaissez. Mais il y a une erreur. Donc vous êtes entré sous le pouvoir d'une erreur. Donc vous êtes entré sous le pouvoir d'une erreur. Et cette erreur, c'est de ne pas avoir pensé à l'impermanence et à la mort. Donc, vous n'avez pas réfléchi. Donc, quelles que soient les méditations que vous faites, le nombre de retraites, les études du dharma, tout ce que vous avez appris, tout cela, ça ne devient pas dharma. Cela devient juste dharma mondain, ça ne devient pas dharma spirituel. Donc, manger, aller et venir, faire votre travail. Donc, rien ne devient le dharma saint ou le dharma spirituel. Rien ne devient dharma qui procure le bonheur au-delà de cette vie. Rien. Rien qui ne peut vous être utile au moment de la mort. Rien. C'est ainsi. Et autre chose, c'est qu'il n'y a aucune réalisation. Impermanence, c'est la mort. Donc, le sentier gradué des êtres de capacité inférieure est absent, et à cause de cela, aussi le sentier graduel des êtres de capacité intermédiaire et supérieure, aussi de capacité supérieure, les deux autres, sont aussi manquants. Donc, à cause de cela, vous êtes complètement incapable de réaliser le tantra, des réalisations tantriques, et complètement incapable de réaliser cela. Donc, nous avons... Donc, le sentier gradué des trois êtres capables. Donc, Rinpoche parle de la traduction du tibétain Kivusungi Langi Rinpa, les étapes du sentier des trois êtres Kibusum. Et actually, Kibu means. Kibu veut dire les êtres qui sont capables. Les êtres capables. Donc, le sentier gradué des trois êtres capables.
Donc ça, c'est le sens. Donc c'est le sujet principal du Lamrim, le sentier vers l'éveil. Et il faut adopter une traduction exacte. Il ne faut pas juste dire donc le sentier de capacité inférieure ou moyenne ou supérieure. Quelquefois on dit d'envergure inférieure ou d'envergure intermédiaire ou supérieure. Donc Rinpoche dit que en fait, c'est qui vous sommes des trois êtres capables. Donc c'est pourquoi, c'est pour cela, quand vous ne pensez pas à l'impermanence et à la mort, peu importe votre connaissance, votre éducation, tous les problèmes surgissent. Tous les problèmes surgissent. C'est comme si vous ne connaissez pas le dharma. Même si vous avez étudié les cinq textes majeurs, tous les tantras et ceci et cela, tellement de choses. Les commentaires, un commentaire extensif, une connaissance extensive, vous pouvez l'expliquer, mais la pratique manque. La pratique du tout début. L'impermanence, qui est la pratique des êtres de capacité inférieure. Donc, si cela n'est pas là, donc vous avez les mêmes problèmes que si vous n'êtes pas bouddhiste. Vous avez les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'est pas bouddhiste. Vous avez les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes que si vous n'aviez pas appris le dharma. Donc, lorsque vous rencontrez des problèmes, you know, il n'y a pas de différence entre vous qui avez appris, tout appris, et la personne qui n'a rien appris. Pour l'esprit, pas de différence, c'est pareil. Ce que je dis, c'est que la pensée de l'impermanence, la méditation, l'entraînement de l'esprit n'est pas là. Comment votre vie est en danger? Cela met votre vie en danger. Cela vous met en danger. Parce que la personne qui a rencontré le dharma et la personne qui n'a pas rencontré le dharma sont exactement pareils au moment où elles rencontrent des problèmes. C'est comme si vous avez les mêmes problèmes. Vous avez à faire face aux mêmes problèmes. Donc, vous ne voyez aucune différence. Que vous ayez rencontré le dharma ou pas, que vous soyez bouddhiste ou pas, que vous ayez appris de façon extensive, que vous ayez appris le dharma ou la philosophie, les vastes textes. Si vous ne comprenez pas le point principal, vous n'avez pas compris l'essentiel, le point principal. Still.
Et même certaines personnes ne peuvent quelquefois faire l'expérience de même plus de problèmes, même en étant bouddhiste. C'est possible. Plus de problèmes que la personne qui n'est pas bouddhiste. Parce que la personne a beaucoup d'éducation, est très éduquée. Elle a appris beaucoup de choses, plus de choses. Mais la pratique de base n'est pas là. Et quelquefois, il se pourrait qu'elle ait même plus de problèmes, de plus gros problèmes. Et donc, j'ai élaboré un petit peu. Mais ici, c'est juste une introduction. Donc, vous pouvez raccourcir cela. Vous pouvez le résumer, faire un résumé. Donc, si je maintenant, si j'étais déjà mort, si j'étais mort, je serais dans les royaumes inférieurs. Alors qu'elle est, je serais un poisson. Vous savez, le pêcheur vient et attrape avec la meçon. Avec la meçon, m'aurait attrapé dans la bouche avec la meçon, sans pouvoir m'échapper, j'aurais une énorme douleur. Et même avant la mort, on m'aurait coupé en tranches. Alors qu'il est, ce serait ça. Alors qu'il est, je serais né comme un ver. Et attrapé dans le bec d'un oiseau, piqué et attrapé par le bec d'un oiseau qui m'emporterait. Alors qu'il est, c'est ce qui pourrait se passer. Rien à faire. Je pourrais être rené comme un ver et couvert par des centaines de fourmis. Alors qu'il est, dans cette vie par exemple, même si une fourmi nous mord le pied, c'est douloureux. Imaginez si vous étiez un ver et que la peau est tellement fragile et que ces fourmis vous mordez. Donc, alors qu'il est, je pourrais être dans les enfers. La situation la plus effrayante, la plus terrifiante possible. Et donc, la conclusion, c'est que je dois abandonner les karmas négatifs. Cela vous conduit à cette conclusion. C'est la conclusion. Abandonner le karma et ne pratiquer que la vertu. C'est la conclusion. Et ensuite, penser, comme l'a expliqué Nagarjuna, peut-être dans la guirlande des joyaux, donc ma vie est comme la bougie ou la flamme de la bougie ou la flamme de la lampe à beurre au milieu du vent. Donc,
Donc au milieu du vin, la flamme va de ci, de là. Et donc cette flamme, elle peut s'arrêter n'importe quand. Ma vie est comme ça. La mort peut arriver à tout moment. Donc il faut méditer de cette façon-là. Méditer de cette façon-là. Et aussi utiliser la citation de Nagarjuna. Cette vie est plus impermanente, plus transitoire. Plus courte, un peu plus fragile que une bulle d'eau. Une bulle d'eau emportée par le vent et qui en fait éclate. Donc cette vie est plus impermanente ou transitoire. Une bulle d'eau éclatée par le vent. Être capable de se réveiller. Avoir la liberté de se réveiller. Avoir le loisir ou la liberté, le loisir de s'éveiller du sommeil qui est une question juste d'inspire et d'expire seulement. Juste cela. Donc les sens ne fonctionnent plus. Comme si vous étiez mort. Donc, récemment, pendant les enseignements que chez Sopa Rinpoche, pendant le commentaire de Lama Tsongkhapa, l'océan de raisonnement. Ah oui, il a commenté le texte racine de Nagarjuna sur la sagesse. Le texte sur la sagesse racine. Et donc, il a fait cette citation de Nagarjuna. Et alors, il a dit, vous inspirez et vous expirez. Vous expirez. Et alors, oui, vous expirez et ensuite, vous arrêtez. Ça s'arrête. Il n'y a pas d'inspire. Il n'y a plus d'inspire. D'inspire de... Oui. Et c'est tout. C'est terminé. C'est terminé. Et donc, comme c'est merveilleux. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir le loisir de se réveiller de ce sommeil,
d'avoir cette liberté. C'est vraiment merveilleux. D'avoir cette liberté de se réveiller. Parce que cela tient juste au fait de à une respiration, à l'air qui rentre et qui sort. Donc, la nuit dernière, il y a de nombreuses personnes qui sont mortes. La nuit dernière, ils sont allés se coucher. Ils avaient des tas de plans pour demain, pour cette année, pour l'année prochaine. Tellement de projets. Et ils sont allés se coucher la nuit dernière. Et ce matin, ils étaient devenus des cadavres. Donc, Rinpoche dit cops. Les cops, c'est les flics, en fait, c'est la police. Et corps, c'est un cadavre. La différence entre cops et corps. Donc, ce matin, le corps, c'était un cadavre. Tellement de gens, pas juste une personne dans ce monde. Tellement de gens, en fait, la nuit dernière. Donc, vous pouvez imaginer ça? Pouvez-vous imaginer ça? Donc, si j'étais décédé la nuit dernière, si j'étais décédé, alors qu'il est. Je serai dans les royaumes inférieurs. Dans ces enfers tellement effrayants. Parce que... Donc pourquoi? Parce que... Bien que j'ai étudié le Dharma, j'ai fait quelques pratiques, j'ai fait quelques retraites, mais je n'ai pas fait une pratique du Dharma intense et continue. Je n'ai pas fait cela. De temps en temps, j'ai fait quelque chose. Mais comme vous le savez, bien sûr, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de mauvaises pensées, mauvaises intentions qui détruisent les mérites, qui les détruisent, qui les font exploser, les mérites. Et à cause de cela, donc une pratique du Dharma pure et continue, ça n'a pas été fait. Et donc, à cause de cela, je serai dans les enfers. Si cela m'arrive à moi, si après m'être couché la nuit dernière, et donc, en conséquence, donc, quelle chance incroyable. Quelle chance incroyable. D'être libre, disponible,
et libre d'avoir le loisir de me réveiller pour pratiquer le dharma et donc penser à chaque seconde avec ce corps humain si précieux qui est les 18 qualités à tout moment, tout ce que je peux faire, la liberté que j'ai. Non seulement je peux atteindre le bonheur des vies futures, le bonheur de toutes les vies futures, non seulement cela, mais en cette seconde même, j'ai l'opportunité de créer la cause pour réaliser le bonheur ultime, la libération du samsara. Non seulement cela, mais à ce moment même, à cette seconde même, j'ai l'opportunité de créer la cause pour atteindre l'éveil. Donc, en créant la cause, la bodhicitta. Et avant cela, le renoncement à cette vie-ci et pratiquer le dharma, le renoncement à cette vie. Et le bonheur des vies futures et la bodhicitta. Et donc aussi, réaliser la vue juste. Donc, à chaque seconde, à chaque instant, même en une seconde, je peux réaliser tout cela. Je peux réaliser le bonheur temporaire et ultime. Cela peut se faire même en une seconde. Donc, cela, c'est la troisième grande signification de cette vie. Le troisième grand sens qu'il y a à cette vie, c'est qu'à chaque instant, à chaque seconde de cette parfaite renaissance humaine que j'ai en ce moment, chaque seconde est beaucoup plus précieuse que donc beaucoup plus précieuse, non seulement plus précieuse que des montagnes d'or, des montagnes d'or, des montagnes de diamants, donc plus précieuse que des montagnes d'or, donc une seule seconde est plus précieuse, non seulement cela, mais aussi, mais même plus précieuse aussi que l'espace entier rempli de donc plus précieux en fait que un des joyaux qui remplissent tous les souhaits. Donc c'est un joyau, si vous le mettez au sommet d'une bannière, le 15 du mois et que vous faites des prières, tous vos besoins extérieurs, matériels, peuvent être réalisés, peuvent être remplis en fait. C'est la chose la plus précieuse que l'on peut imaginer matériellement. Donc, cette renaissance humaine, tellement précieuse, est beaucoup plus précieuse, en fait, beaucoup plus précieuse que l'espace entier rempli de joyaux qui remplissent les souhaits. Tout cela
Ça n'est rien si on le compare à cette parfaite, cette précieuse renaissance humaine. Donc sans cette parfaite renaissance humaine, même si vous possédez un nombre de joyaux qui exaucent les souhaits, qui rempliraient l'espace, même si vous avez tout ça, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil, vous ne pouvez pas atteindre le bonheur des vies futures, ni atteindre la libération du samsara, ni l'éveil pour le bien de tous les êtres. Si vous n'avez pas ce corps, mais que vous possédez tous ces joyaux qui remplissent tous les souhaits, donc vous ne pouvez pas réaliser tout cela. Le bonheur des vies futures, la libération du samsara et l'éveil complet. Donc à chaque moment, à chaque seconde, ce précieux corps humain est beaucoup plus précieux que l'espace rempli de joyaux qui exaucent les souhaits. Donc il faut essayer de sentir cela comme il est précieux, comme cette vie humaine est précieuse. Et donc, ensuite, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas le perdre, même une seule seconde, une grande signification. Et donc, cela, c'est en pratiquant le Dharma. Et qu'est-ce que c'est? Il faut penser, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pratiquer le Dharma. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer le Dharma? Normalement, j'explique que pratiquer une chose, c'est pratiquer les trois principaux aspects de la voie vers l'éveil et le Tantra. Donc, pratiquer le stade de génération, faire en fait ce que l'on peut, et en plus de cela, c'est vivre avec les vœux de libération individuelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir moine ou non. On peut aussi vivre avec les vœux laïques. Et aussi, donc, les vœux des bodhisattvas, les vœux tantriques. Donc, vivre avec les vœux. Donc, c'est ce que veut dire pratiquer le Dharma. C'est l'explication. Ensuite, il faut penser, la mort va arriver aujourd'hui. Et qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Et donc, la bodhicitta. La bodhicitta. La réponse, c'est la bodhicitta. Donc, c'est la même chose. C'est
C'est comme la pratique des cinq pouvoirs au moment de la mort, à l'approche de la mort. Donc ça aussi. Donc prier de ne pas être séparé de la bodhicitta. Donc c'est ça l'attitude, de ne jamais être séparé de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Pendant la Renaissance, pendant l'état intermédiaire, pendant la mort, à tout moment, donc ne jamais être séparé de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et donc ça devient, ça fait partie de la pratique, ça devient partie. Ça devient en fait, ça fait partie de la pratique des cinq pouvoirs à l'approche de la mort. Il y a aussi les cinq pouvoirs intégrés à la vie entière. Et aussi penser, donc réfléchir aux défauts de la pensée du chérissement de soi et aux bienfaits de chérir aux autres. Et aussi également donc faire l'échange de soi avec autrui et faire tonglen, prendre et donner. Et lorsqu'on fait la pratique de tonglen, de prendre et donner, on peut aussi chanter Om Mani Padme Hum. Et pendant que l'on fait tonglen, donc la pratique de prendre et de donner, prendre les souffrances des êtres, prendre leurs souffrances et les causes des souffrances, le karma et les perturbations de l'esprit, et même les obstacles subtils. Et même, par exemple, les enfers, tous les endroits de souffrance, tels que le sol rempli, rempli d'épées, le sol qui est un avec le feu, comme des maisons en feu. Donc comme du cuivre en feu, en fait, comme du cuivre liquide. Donc, comme on dit dans les enfers, il y a des grands pots très immenses qui sont remplis de cuivre liquide ou de métal liquide très chaud. Donc toutes les souffrances et leurs causes, le karma, les perturbations et les endroits de souffrance. Et donc on prend tout cela. Donc on fait la même chose avec les fantômes affamés et la même chose avec les animaux, avec les êtres humains. Et on prend tout cela dans son cœur. Et on le donne à la pensée du chérissement de soi. Comme une bombe, comme on jette une bombe sur son ennemi. Et cela détruit complètement. Complètement détruit.
Donc, même le nom, il devient complètement non existant. Il n'existe plus. Même le nom n'existe plus. Donc ça dépend, on peut faire de façon élaborée ou on peut faire de façon intermédiaire ou de façon condensée. Si on fait de façon condensée, on prend tout en même temps. Et aussi, on donne. Alors, dans donner, on génère d'abord la bonté et l'amour et on donne... On donne nos mérites des trois temps et tous les résultats jusqu'à l'éveil. Aussi nos positions matérielles. Les positions matérielles dont vous disposez. Tout l'argent que vous avez à la banque. Et vos possessions. Et même votre voiture. Tout. Votre porte-monnaie. Tout. Les gens qui vous entourent. Les membres de votre famille. Tout, vous donnez tout. Vous donnez aux êtres de tous les royaumes, les êtres des enfers, des esprits affamés, des animaux, etc. Des êtres humains, des sura, individuellement. Et donc, ils reçoivent un corps humain parfait, ils rencontrent le dharma et ils rencontrent des amis vertueux et ils obtiennent un environnement parfait. L'endroit devient une terre pure et en leur donnant tout cela, donc tout devient comme une terre pure qui a toutes les beautés sans aucune souffrance, qui est remplie d'arbres, qui remplit tous les souhaits. Qui est rempli avec le son du dharma, même le vent qui souffle dans les arbres, les animaux et les oiseaux émettent le son du dharma. Incroyable. Et donc vous donnez aussi toutes les réalisations du sentier complet jusqu'à l'éveil. Et vous les libérez de toutes les souffrances, les océans de souffrance du samsara et des causes de la souffrance. Et ils se transforment en la déité que vous pratiquez. Et donc, on peut faire cela un par un, de cette façon, individuellement. Ou alors, vous pouvez donner tout à tous les sentiers. Et donc vous pouvez le faire individuellement ou vous pouvez le faire tout ensemble en fait. Tout se passe pour tous en même temps, de différentes façons de faire. Vous pouvez aussi prendre les obstacles qui se manifestent dans les gourous qui montrent des aspects de maladie, par exemple. Vous pouvez prendre cela aussi. Vous pouvez prendre les obstacles qui sont en fait les vues karmiques des êtres. Sur le dharma, duquel en fait les êtres reçoivent tous les bonheurs jusqu'à l'éveil. Vous prenez tous les obstacles, vous prenez les obstacles pour tous les bénéficiaires qui servent le dharma et la sangha, et vous prenez leurs obstacles.
Et quand vous givez, quand vous donnez aussi comme ça. Il est dit dans les enseignements du gourou, il n'y a rien à prendre. Il est dit dans les enseignements. Ça veut dire que le gourou n'est pas comme les autres êtres. Tout ce qui vient du gourou, comme les maladies, par exemple, c'est une vue karmique des êtres. C'est de là que ça vient. Sinon, du côté du gourou, il n'y a rien à enlever. Donc, vous pouvez faire soit très condensé ou version moyenne ou version élaborée d'après le temps dont vous disposez. Donc, soit en détaillant tout, soit en faisant tout ensemble. Ensuite, vous pensez, ce que j'ai fait, c'est juste une visualisation. En fait, en réalité, ils souffrent toujours. Donc, je dois les libérer des océans de souffrance samsarique et de la cause et les amener et les amener à l'éveil par moi-même, tout seul. Et pour cela, je dois atteindre l'éveil. Et pour cela, je vais m'engager dans des activités vertueuses, ce qui veut dire tout ce que vous faites, les méditations ou faire la sadhana, ou les pratiques préliminaires, ou la méditation sur le lamrim, quoi que ce soit que vous fassiez, également, hein, toutes les activités vertueuses, et également manger, dormir, s'asseoir, marcher, faire votre travail. Donc, tout ce que je vais faire cela avec cette motivation. Donc, c'est la motivation pour la vie. C'est pas juste aujourd'hui. En fait, c'est à partir de maintenant, tous les jours. Donc, avoir cette motivation pour la vie. Et c'est très bien aussi de penser de la façon suivante. Puisse toutes mes activités du corps, de la parole et de l'esprit devenir la cause pour atteindre l'éveil. Puisse cela devenir la cause pour atteindre l'éveil et pour mener à l'éveil tous les êtres. Également, vous pouvez prier pour que, à partir de maintenant, puisse-je être comme la Matsongkhapa en ayant les mêmes qualités en moi que la Matsongkhapa et offrir d'immenses bienfaits pour les êtres et l'enseignement du Bouddha, tout comme la Matsongkhapa. Donc c'est très, très positif, très bien de prier de cette façon-là.
Donc peut-être on va s'arrêter ici. Donc ça, c'est une introduction. Ce que je dis ici, c'est que la première chose le matin, lorsque vous vous réveillez, comment penser, la motivation pour la vie, ce qu'il faut penser lorsqu'on se réveille. Donc, mais ici, donc c'est une introduction. Donc, ça peut être résumé, mais il y en a une autre, plus courte, qui vient de Kepche Serkong Rinpoche, Serkong Tsenshav Rinpoche. Donc, il y a une citation comme ça, ce qu'il faut penser lorsqu'on se réveille. Et donc, comme ça, vous avez le choix. Et quelquefois, vous pouvez faire ceci ou vous pouvez faire ça, l'autre, comme ceci ou comme cela. Et donc, en relation avec le Bodhisattva Charyavatara aussi, il y a des citations du Bodhisattva Charyavatara, des dédicaces, comment dédier en fait sa vie à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au moment de ma mort. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réciter, en anglais les sessions de Guru Yoga, la courte en anglais, on peut réciter ça.